Et salut les rêveurs, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de vous faire une vidéo de ce type d'un vlog, mais là c'est une belle occasion. Donc là je reviens de vacances, j'ai fait 8 heures de route pour rentrer jusqu'à la Montpellier et j'ai pris la moto pour repartir directement rejoindre donc Team FSA, donc dirigé par Cyril Roussel à Alès pour un événement assez spécial, le Highside Show. En gros, c'est l'équipe de moto et motard, Bader et tout le reste qui organise ça et qui ont rassemblé de grands pilotes tels que Tony Uti, qui va être lui pour tout ce qui va être expérience routière, rallye routier, genre de choses. Tu as l'équipe de moto et motard qui s'occupera de la formation liée au circuit sur Alès, donc le pôle mécanique. Et de mon côté, mon partenaire m'a offert la chance de pouvoir participer à un stage avec Tom Barrère. Monsieur Tom Barrère, enfin, en chair et en os, je vais pouvoir subir ces ateliers où j'ai mangé cher, mais c'est pas grave, c'est le but. Et le plaisir de rencontrer aussi le personnage depuis le temps. Ah oui, j'ai oublié. En fait, quand j'étais dans les Alpes ou dans les Deux-Sèvres, il faisait entre 20 et 25 degrés. C'est monté un moment, allez, à 28 degrés. Là, j'arrive, il fait 36,5. Donc, j'ai un peu chaud. La route était magnifique. Il me restait environ une cinquantaine de kilomètres avant de rejoindre mon équipe. J'avais hâte de pouvoir les retrouver et de pouvoir enfin passer un moment avec eux. On n'est plus très loin du pôle mécanique. J'y suis dans moins de 10 minutes. Donc, je voulais vous faire profiter du coucher de soleil. C'est pas beau ça? Et bonjour. C'est pour le pass, c'est ça? Bien sûr. Hop. Allez, juste le temps de donner le fameux sésame et on peut enfin entrer et découvrir le box. T'attends avec une bière, regarde, même pas il t'en emmène une. Regardez. Il vous filme, regardez, ça c'est la preuve, ça c'est mon parterre, le mec, regardez, Desperados. Et lui, il est rien. Alors pas Doc 17 pour nous. Hop. On va marquer que j'ai chaud. C'est le début des festivités. Alors vous ne le voyez pas encore très bien sur ces images, mais elle vient juste d'être peinte. Merci à toi Antoine. On y est. Il est 20h30, il fait 35 degrés, on a un ciel magnifique, on en profite donc pour lancer le drone. On va faire un tour de circuit, un tour de paddock. Évidemment, on a eu les autorisations du circuit, pôle mécanique, ainsi que de l'organisation. Merci encore à eux d'ailleurs pour tout simplement leur confiance. Allez, je vous propose de découvrir les images.
Non, ça ira, je te remercie. Alors, petite installation, qu'est-ce que ça donne? Pas mal, regarde. Petit, moyen, immense. On sait pour qui le immense, ça veut dire quoi, ça? Et un gros cul, moyen cul, tout petit cul. À vous de choisir qui est quoi. Samedi matin, les yeux sont petits, la nuit était courte. Les gens se réveillent tout doucement. La session Issaz est bientôt pour. Alors, ben, là, programme, je dois m'enregistrer à 7h. Cyril, lui, l'a fait hier soir, moi je suis arrivé un peu trop tard. Ce matin, il fait frais, c'est agréable. Il a commencé à avoir un peu de vent frais vers 3h30 du matin, à peu près. Avant, c'était vraiment très, très, très chaud. D'ailleurs, bah, hier soir, quand je suis arrivé, il faisait encore toujours 35 degrés. Donc, c'est pour vous dire. Et 30 degrés, quand on est rentré, il était minuit. Hein. Donc, autant vous dire que dans un box, c'est un peu étouffant. Mais la bonne humeur est là. Tout le monde se met en place. Et on va pouvoir attaquer rapidement. Donc, on se retrouve juste un peu après avec Tom Barrère. Allez, à plus tard. Bon, voici l'ambiance. Vous entendez ce bruit-là? Et encore 2 minutes, il n'y avait aucune moto, aucun son. Et là, ça y est, c'est parti. Donc là, c'est pour ceux qui vont faire de la piste, donc du circuit, pardon. Ils vont faire le passage de sonomètre, parce que c'est obligatoire maintenant pour ceux qui ne le sauraient pas. Ils ne doivent pas dépasser un certain décibel, alors je sais pas, un certain nombre de décibels, pardon. Alors je sais pas le nombre exact, je vous mentirai, je regarderai si je peux vous l'ajouter. Voilà, et regardez ce que ça donne. Et on va aller juste voir Cyril, qui est dans la ligne et qui attend tranquillement pour pouvoir passer. Il y a de la belle moto. Hein. Il y a de la très très belle moto. La chaleur commence à monter et notre ami Cyril a les tenues sexy. Hein, il essaye de copier Tom Barrère. Voilà. Paul Méga. Donc là, on va rejoindre l'atelier de Tom Barrère. Donc on est en route tranquillement. Hop. Vous pouvez voir qu'il y a de la belle moto. Tout au long de la matinée, on va passer différents ateliers. Alors, on va commencer par, comme vous avez pu le voir, hein, donc l'équilibre de la moto. Ensuite, on a parlé des différentes positions à adopter selon le type de route que l'on faisait, si c'était du off-road, de la piste ou de la route classique. On va avoir tous les ateliers, démonstrations réalisées par Tom Barrère et par Bruno pour certains ateliers. Donc ça nous permettra vraiment de prendre en main notre moto pour être le plus à l'aise possible pour les ateliers d'après-midi. Alors, petit rappel, hein, il fait déjà au moins 30 degrés, pas d'ombre, plein soleil. On va boire une quantité d'eau extraordinaire. Donc, merci encore à l'organisation parce qu'ils avaient prévu l'eau pour chacun des ateliers. Et ils nous fournissaient donc au quotidien des bouteilles d'eau. Donc, encore bravo pour eux parce que c'est vraiment quelque chose qui était très important, notamment à cause de la température. Alors comme il disait Tom tout à l'heure, la chute ça fait partie du jeu, donc c'est pas grave.
Ah, c'est quoi? Donc je le regarde, c'est le 8 de mémoire. Hein? La deuxième partie, on fera donc tout ce qui est slalom rapide, slalom lent, freinage d'urgence. Chaque atelier apporte un peu plus de réflexion à la façon dont on doit se comporter sur la moto. Donc c'est très important et c'est ce qui nous permettra, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir mieux nous adapter à la situation. Certains étaient en train de bien tourner la poignée. Le circuit du pôle mécanique, c'est quoi? C'est 2,5 km de tracé technique, ou encore 2 km de tracé rapide. C'est des boucles indépendantes, avec une largeur de 13 mètres, une ligne droite des stands qui fait environ 335 mètres. Alors, l'intérêt, c'est tout simplement d'avoir un circuit qui est relativement technique, où il n'y a pas beaucoup de zones de vitesse. Donc c'est vrai que c'est un circuit qui va être destiné plutôt à des motos en dessous des 1000 cm3, et pourtant, au quotidien, beaucoup réussiront à se faire vraiment plaisir, même avec de très gros cubes. Une idée, un temps moyen pour un bon pilote sur Alès, ça va être autour des 1:27 à peu près. Aujourd'hui, il n'y a encore pas longtemps, c'était Juan Zarco qui avait le record du tour sur Alès, avec un temps autour des 1:14:60. Mais dernièrement, il y a Luca Mayas qui a explosé les compteurs avec 1:13:72 avec sa ZX6R. C'est pour vous dire à quel point il y a une énorme différence entre un pilote professionnel et nous. Allez, une petite pause repas, le temps de se rafraîchir un peu, et c'est reparti pour l'après-midi. Bruno de Bordeaux, qui est notre guide, on va rejoindre un terrain qui est environ à une trentaine de minutes. Le but étant de faire quelques exercices, et après on verra si jamais on a encore du jus, si on veut faire la trace complète ou pas. Voilà, ça sera la surprise. Donc tu faisais quoi par rapport à Badet ? Merci.
que boules. Non. Alors on a apporté de l'eau, hein. Encore une fois il fait une chaleur harassante. Alors premier atelier, en fait on va nous mettre face à différentes montées. Alors c'est toujours, la caméra a tendance à écraser un peu, mais en fait ça paraît pas compliqué, mais en soi ça ne l'est pas. C'est juste une technique à prendre. Donc il y a des dévers, pas mal de bosses, il y a de l'instabilité du terrain, du sol. Donc c'est une mixité intéressante. Alors il y aura des chutes, bien sûr, il y aura aussi parfois bah, des réussites, donc ça fait plaisir quand même. Mais c'est sûr que c'est un élément qui va nous permettre de nous sentir plus à l'aise pour la suite de la journée. Alors c'est à mon tour de descendre cette fameuse pente. Elle n'est pas forcément compliquée, mais la grosse problématique, c'est que des deux côtés, en gros, on ne peut pas réellement poser le pied, on se casse automatiquement la figure. Et sachant qu'il est tombé juste avant moi, la confiance n'est pas là. Mais on y va et on prend notre temps. Ça va? Et comme vous, quand j'ai commencé, j'ai laissé ma vie. Si vous n'êtes pas à quatre pattes en train de vomir dans les forêts, c'est qu'il y a un problème. Allez, on inverse la pente, maintenant il faut la monter. Donc même problématique, il ne faut surtout pas tomber. Allez, c'est parti. Alors nous avions été séparés en deux groupes, un groupe qui voulait en chier, un groupe qui voulait un peu moins en chier. Donc eux ils étaient sur une piste d'entraînement. On retourne en nouvelle zone d'entraînement et après normalement bah, pour ceux qui voudront, ils pourront aller faire de la piste supplémentaire, donc à voir. Hop là. Ouais, je l'ai pas assez tourné. Bonne chance. Ouais, je partirai pas. Alors, première grosse erreur de l'après-midi. Bon, déjà j'ai manqué de vitesse, donc c'est pour ça que j'ai glissé dans l'ornière. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai voulu redéplacer la moto en arrière pour repartir, alors qu'elle était placée de manière à pouvoir passer l'obstacle. Donc ça, ça a été la deuxième erreur. Troisième erreur, Tom m'a proposé de m'aider à faire pivoter la moto afin que je ne m'épuise pas. J'ai pas voulu, je voulais apprendre la technique, j'ai complètement raté la technique, mais en plus j'ai pris un coup de chaud, donc autant vous dire que c'était compliqué pour moi. Donc il m'a permis de redéplacer la moto, j'ai l'air descendu rapidement. Je me suis posé bien 15-20 minutes au sol pour reprendre ma respiration et pour retenter encore une nouvelle fois cette montée sans la rater cette fois-ci. Là, ça a été la deuxième grosse erreur que j'ai pu faire. Le vomir en lui-même, il peut se passer. Il suffit d'avoir une accélération constante, faire déplacer la moto de manière en avant en arrière, histoire qu'elle puisse se déplacer au fur et à mesure, et avoir une bonne assise. Donc ça, c'est pas le souci. Le gros problème, c'est que par rapport au coup de chaleur précédent, en fait, j'avais pas complètement récupéré ça, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Donc j'étais très vite essoufflé, et je me suis relativement épuisé pour rien dans ce vomir. Ce qui va pas m'aider pour la suite de la journée. Putain. Oh.
j'essaye de faire. Bon, je vous passe les 30 secondes où je reste allongé par terre comme une grosse merde pour pouvoir vous passer directement à la suite de l'aventure. Allez, allez, allez. Et là, ce sera la troisième erreur. Celle-là est un peu plus douloureuse parce que la moto se retourne littéralement. La fatigue, certainement, le manque d'expérience et surtout une mauvaise position et pas assez de gaz feront que je vais faire retourner littéralement la moto. Alors, pas de bobo pour moi, la moto, il n'y a que finalement la bulle qui a cassé. Rien de plus, c'est le plus important. Mais cette frustration de ne pas réussir à monter cette fameuse côte qui était importante pour moi. Alors d'autres vont essayer, essentiellement des GS-Man, à part une Triumph, mais on en parlera un peu plus tard. On va arriver à peu près au même résultat, mais avec une qualité supérieure, c'est que lui, il n'a pas retourné la moto au moins. Alors on sera 3 GS à monter de cette manière-là. J'ai pas les images des autres, je m'en excuse. Merci encore à tous ceux qui nous ont permis de faire ces derniers mètres et qui nous ont permis de réussir quand même à la monter cette côte. Même si indirectement, c'est pas grâce à nous. Mais le vrai héros de la journée, c'est lui, c'est Lucatas. C'est le seul à avoir réussi à monter cette côte comme Tom Barrère, en deux essais, l'un comme l'autre. Bravo à lui. Encore une fois, il nous montrera sa qualité de pilote. Que dire, à part merci. Merci à toi Bruno pour ta bienveillance, à toi Tom pour tes fous rires. Merci au groupe qui était avec moi et qui a subi les mêmes épreuves. J'ai découvert du soutien immédiat et c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Donc encore merci à tous et à très vite. Et voilà, ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain, vous découvrirez donc le stage rallye. Je vous propose de découvrir quelques images de cette première journée, en espérant avoir énormément de commentaires de votre part. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce type d'épisode peut vous plaire. Vous aurez bientôt d'autres projets de ce type. Merci encore à tous et à tous ceux que j'ai rencontrés sur Alès qui ont reconnu un peu mon travail. Ça m'a choqué parce que c'était la première fois. Merci à Cyril Roussel, encore une fois, mon partenaire est là et il m'a aidé tout le temps. Donc c'est énorme, je tiens réellement à le remercier. Merci à Epco Becker parce que les pièces viennent de lui et honnêtement, vu ce que la moto a subi pendant ce stage, heureusement que j'avais ces pièces-là pour protéger ma moto. Merci à Hugues pour sa gentillesse et le temps qu'il a passé sur ma moto. Et à toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer en plus, telles que Sonia ou encore Elodie. À bientôt.